également eu un anticyclone au sud-ouest des Mascarens. Et ça peut occasionner une bonne alizée modérée dans une région. Et nous aussi, nous avons un nuage dans les alizés qui influence le temps. Donc, pour cet après-midi, surtout en début de cet après-midi, le temps de beaucoup plus nuageux, avec bonne pluie passagère, surtout à l'est, au sud des plateaux centrales. Et que nous puissions attendre qu'il n'y ait pas une poche de brouillard de certains endroits, surtout de bonne hauteur, qui pour réduire la visibilité. Mais toutefois, graduellement, au cours de l'après-midi, nous pouvons attendre qu'il y ait un appel à pouvoir être moins fréquent. Et nous avons une période d'ensoleillement, surtout au nord et à l'ouest. Pour ce soir, nous pouvons attendre qu'il y ait le temps pour essentiellement du beau temps, sauf pour le moment où nous avons des petits appels, le bonne hauteur, le bonne version au vent. Concernant la température, nous attendons qu'il y ait une baisse relative pour aujourd'hui. Donc, nous attendons qu'il y ait la température maximale d'environ 23-25 degrés le plateau central et environ 30 degrés pour lui. Et concernant le vent pour le moment, il est pour environ 20 km par heure, mais graduellement, durant la nuit, il prend aussi. Et nous attendons qu'il n'y ait pas de rafale jusqu'à 50 km par heure durant la nuit. Et à noter aussi que l'état de la mer est praticable pour l'instant, mais graduellement, durant la nuit, il bouge de mauvais. Et donc, bonne sortie en haute mer pour des conseillers à partir de ce soir. Pour demain, nous attendons qu'il y ait du temps essentiellement du beau temps, sauf le matin, nous gagnons des petits appuis, le bonne hauteur et le plateau central. Il y a une zone de basse pression qui peut évoluer au nord de la Galéga. Et nous avons une indication qui sera une zone de basse pression qui peut intensifier lentement. Il y a une tempête tropicale parce qu'il peut évoluer devant un environnement favorable. Et il est possible qu'il peut intensifier au cours de la semaine prochaine. Mais à ce stade, il n'y a pas pour influencer le temps pour les mascarènes et une blessure sur l'évolution de cette réponse.